Ayant connu un temps sombre de son histoire, le barrage Mpianamwanga, situé à 95 km de Manono, a vu la visite des ministres nationaux de l'énergie, des mines et de celui des infrastructures du Katanga. Construit en 1926, ce barrage, dont les travaux de réhabilitation ont débuté par le dénoyage, s'effectue par l'expertise d'une société minière de la place. Ses représentants du pouvoir ont visité également la salle des machines, les turbines qui ne fonctionnent plus et ils ont été également au canal d'Okuré. Le ministre national de l'énergie, Laurent Muzangisa, estime que ce barrage, une fois réhabilité, sera profitable pour la province. Il permettra également la renaissance de Zaïre-Étain, actuelle cominière. Accompagné du ministre Fridolin Kasuechi Moussoka, c'est donc l'heure du renouvellement des infrastructures dans le nord Katanga.